you know, waiting, but you got everything ready for... This was... Alors, ce championnat, c'est un projet que j'ai organisé depuis près de 9 mois, 10 mois, qu'on a mis en route avec difficulté parce que on sait qu'il fallait monter, il fallait que les gens aient confiance en nous. Donc on l'a proposé à la mairie de Paris et la mairie de Paris a accepté qu'on le mette en route sous certaines conditions. Les conditions, c'est qu'on en fasse bénéficier le plus large public, notamment les enfants, les jeunes, les personnes en difficulté, et qu'on rapproche le haut niveau des enfants et de ce jeune public. Il y a eu 32 nations inscrites, il y en a à peu près, il y en a eu 28 qui sont venues simplement à cause des grèves, à cause de tous les problèmes de transport qui étaient liés à la journée de mercredi. Ce sont pratiquement tous des fédérations amateurs. Amateurs, ça veut dire que les gens vont en club le soir s'entraîner. Ils n'ont pas un staff d'équipe comme l'équipe de France où ils s'entraînent deux fois par jour. Ils ont des subventions de l'État, ils ont une fédération qui est fantastique, comme la fédération française, mais très grosse et qui est capable de supporter tous leurs frais et leur engagement. On est souvent comme les États-Unis, des gens qui payent leur billet d'avion pour venir, qui s'entraînent en club et qui vont faire le championnat du monde avec leurs moyens. Chasser direct, quand elle arrive à s'approcher, tu tournes autour et tu sors en jeu. Maintenant, un petit truc supplémentaire, quand tu as mis le chasser, de temps en temps, tu reposes pas, tu mets tes figures. Avec les deux jambes, tu peux faire ça. Hein ? Marquer un petit peu des touches figures, elle est plus petite que toi, donc t'as compris ? Je répète, loin d'elle, loin d'elle, loin d'elle. Quand elle te colle, tu tournes autour.
la procédure, c'est que vous avez une DO qui s'occupe de l'organisation, trois juges qui marquent les points que les tireurs ont donnés et qui répondent aussi quand l'arbitre demande un avertissement. Parfois, les juges ont une meilleure vision que l'arbitre. Par exemple, un exemple, un tireur qui prend un coup dans le triangle génital. L'arbitre voit le gars qui se plie en deux, mais on ne sait pas si c'est vrai, c'est de la comédie. Donc, il demande l'avis au juge, et les juges ont un avis beaucoup plus objectif. La fonction de l'arbitre, c'est que tout se déroule bien, sans blessure, sans à-coup, parce que ce sont des assauts, c'est-à-dire que les coups ne peuvent pas être portés. Donc, on protège, parce qu'il y a une différence entre le combat où là, c'est le chaos. Si vous avez vu tout à l'heure, il y a eu un chaos, mais c'est un geste malencontreux. Bon, normalement, ça ne doit pas se passer, mais ça peut arriver. Mais en principe, on protège les athlètes et c'est le rôle des officiels. Vous faites quoi là? Pour une nation qui est arrivée un peu plus tard, je crois que oui, tu les as. Donc on leur prépare les badges pour les athlètes et le coach. D'accord. C'est hyper bien organisé. Hein. C'est pas mal organisé, oui. Avec les moyens du bord? Avec les moyens du bord, les bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Parce que sans eux, ce serait dur. Quand on aime la BF, c'est vrai qu'on y reste. Quand on descend du ring, on fait quelque chose après derrière. C'est vrai que bon, on met le pied dedans, on est foutu. Alors il y a un petit staff de 6-10 personnes qui roulent sur tous les 3 jours. Et après, il y a une association de 14 personnes et une autre de 20 personnes. Donc ça fait à peu près 25 bénévoles. Et on arrive à être juste. Bienvenue Florian. Voilà un athlète de Cannes. Bonjour. Ça y est, t'es filmé. Salut. Comment tu vas? C'est ici les coulisses? Ouais, c'est ici les coulisses. On va commencer tous les deux. Donc faut qu'on ramène tout ça aux gens qui vont faire des initiations dans un quart d'heure. Pourquoi il y a déjà des assos? C'est les qualifications? C'est ce matin. Ah ouais, d'accord. Je crois que c'était que les finales aujourd'hui. C'est demain. C'est beau, ouais. On va en faire un peu le magasin. C'était un super assaut, ça, non? C'était une belle rencontre. C'est vrai? Si tout le monde pouvait boxer comme ça, s'amuser comme ils l'ont fait, ils ont eu la banane. Ils se sont fait plaisir, ils ont boxé. Ils se sont respectés. Et ils ont boxé, ils ont écouté, c'était super. C'était super. Dans deux boxes, c'était différent, deux gabarits. Deux boxes différentes, puisque bon, deux cultures différentes. Mais par contre, superbe rencontre et respect entre eux, super. Regardez plus.
Un peu de stress quand même pour ce soir ou pas? T'as pas l'air stressé. Ça va être une heure avant, je pense. C'est une heure avant. Une heure avant, ils vont commencer à se trouver un tas de petites douleurs, un tas de petites chaînes. Voilà. Et là, ça va. On a 16 finales et on va avoir 3 fois 2 minutes d'assaut où les gens ne vont pas au chaos. Ils ont obligation de contrôler la touche, mais toucher réellement. Tatiana de Lucie, Père de Germanie, Monsieur Mac Ratan, Dégris. Gracias.